Manifeste, c'était de dépasser les clivages et l'aspect très très émotionnel qui découlait des dernières actions de KSH, de Vitrine de Boucherie notamment. Et l'idée, c'était de proposer une analyse un peu plus instruite sur la thématique et justement permettre aux gens de comprendre un peu mieux l'évolution du mouvement antispéciste et les raisons pour lesquelles aujourd'hui des militants en arrivent à user de la désobéissance civile ou des actions de sabotage. Effectivement, c'est peut-être d'encourager déjà les militants et militantes à passer à l'action avec le cœur mais avec détermination, mais aussi de permettre aux personnes qui avaient cristallisé une opinion autour des actions de désobéissance civile et des actions de sabotage notamment, de leur permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à ça, parce qu'il y a une urgence pour les animaux qu'on essaye de défendre dans la société partout où leur voix a été tue. Toutes les strates de la société qui sont concernées par le spécisme sont visées. Les KSH de boucherie étaient un exemple, mais il n'y a pas que des boucheries qui ont été KSH, il y a aussi des McDonald's, des fourreurs, les abattoirs sont visés, les lobbies sont visés, le monde politique aussi. Simplement, il y a des actions qui sont moins médiatiques que d'autres. Un boucher, même s'il est artisan, même s'il est passionné par son métier, participe à sa manière au système qui est dénoncé et à la violence subie par les animaux. Donc forcément, il s'agit d'une cible aussi, mais ce n'est de loin pas la seule, puisque toutes les autres strates sont touchées avec d'autres méthodes. Avant que je connaisse Virginia, je ne me posais pas la question, quand je mangeais de la viande, qu'il s'agissait même de tuer un animal. Or, en la connaissant et en la côtoyant, je comprenais chaque fois plus le mal que l'homme prodigue en fait aux animaux. Je trouve le message très bien écrit, très bien porté, explicite, dépourvu de ce côté passionnel, émotionnel qui dessert la cause. Ce qu'on observe en tout cas de manière très nette dans la société, c'est qu'aujourd'hui le mouvement antispéciste et les droits des animaux sont sortis de la sphère privée. Aujourd'hui c'est devenu un débat public, un débat de société, un débat politique et économique aussi. Et du coup c'est déjà une première réussite vers l'évolution de ce mouvement. Parce qu'effectivement auparavant on demandait aux gens s'ils étaient végétariens ou véganes, donc ça restait une question très individuelle de vraiment de choisir ou pas de consommer des animaux. Et aujourd'hui on se pose la question au-delà de la sphère privée et on va forcer le débat dans la société et ça effectivement ça fonctionne. Et c'est effectivement révélateur d'une évolution qui est positive et les réactions pour le moins méprisantes font partie de cette évolution, donc c'est tout à fait normal.